ici au Salon de l'élevage pour cette édition 2015 au cœur du salon et au cœur de la maison Tellus avec Paul Gédrasiak. Paul, bonjour. Bonjour, Jérôme. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Tellus. Et comme on le disait tout à l'heure lors de la présentation, ça s'est fait naturellement, même si tu n'es pas issu de ce milieu-là. C'est un monde que tu apprécies, le monde agricole. Oui, j'apprécie vraiment le monde agricole. Après, voilà, parce que aussi, moi, je viens d'un pays, entre guillemets, où il y a pas mal de cultures, comme je te l'ai dit tout à l'heure, juste à côté de Châteauroux. Souvent, on parle des valeurs, les valeurs du monde paysan, les valeurs agricoles avec les valeurs du rugby. Elles se rapprochent énormément. Oui, elles se rapprochent énormément. Et moi, d'autant plus que, après, par rapport à ma famille, quoi, mon grand-père cultivait la terre énormément pour nourrir sa famille. Donc, je suis attaché à ces valeurs-là. C'est des valeurs de travail. Voilà. Il y a énormément de valeurs, j'en citerai. La force. La force, voilà, beaucoup de force. C'est sûr que entre la force, le travail, le courage, voilà, après, c'est ce qui se rapproche aussi de ce qu'on peut avoir sur un terrain de rugby. Donc, c'est sûr que les deux, enfin, on est très liés au milieu agricole. Un mot sur le top 14. Cette coupure, vous étiez bien parti. Est-ce que cette coupure ne va pas vous couper les pattes? Ou au contraire, ça va vous redonner de l'élan? Non, je pense pas. Je pense que ça fait aussi. On a coupé une semaine, on est parti en vacances. On a coupé avec le terrain, on est reparti dans notre famille. Donc, ça nous a fait du bien. Après, on a repris aussi la prépa physique. Et on a bossé encore pour ces 16 semaines de matchs. Donc forcément, après, il n'y aura plus de coupure. Donc les batteries, là, on les a bien rechargées. Et ça peut nous faire que du bien. Merci beaucoup, Paul. Merci d'avoir répondu à Tellus TV. Et encore un grand coup de chapeau pour ce début de saison que tu fais avec tes coéquipiers.